Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Carnet de Rando. Alors, pour ce 26e reportage et le 3e tourné en Ardèche, je me suis déplacé sur le territoire de la commune de Gras. C'est à peu près une vingtaine de kilomètres au nord des gorges, juste au-dessus du plateau de la Houe. C'est ici que s'élève le Dendrez, le point culminant de la basse Ardèche, avec ses 719 mètres d'altitude, qui constitue, par bonnes conditions météorologiques, un panorama exceptionnel puisque votre vue s'étendra des Alpes jusqu'aux Cévennes. Une bonne occasion pour moi de me familiariser avec le milieu de la moyenne montagne ardéchoise et d'évoquer une activité humaine ancestrale, l'agro-pastoralisme. La randonnée démarre sur le parking de l'école de Saint-Vincent, un petit hameau dressé au milieu des vignes sur les hauteurs du plateau de la Houe. Comme d'habitude, ce sont les petites marques jaunes et blanches qui font office de balisage. Vers le nord, le plateau s'efface pour laisser apparaître le vallon de la Nègue, par lequel je reviendrai tout à l'heure. Un petit sentier se ferait un chemin dans la garrigue, me laissant observer toute une variété de fleurs typiques de ces pelouses sèches. Au niveau du lieu dit les Rainoirs, j'attaque la montée proprement dite vers la Dendrez. Alors il faut savoir que ce petit massif de la Dendrez, qui est juste là, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope. Alors c'est quoi tout ce charabia? En fait, c'est un milieu assez sensible où se retrouvent beaucoup d'espèces animales comme végétales, plus ou moins rares, du moins qui nécessitent de protéger. Parmi celles-ci, la corbeille d'argent à gros fruits et le martinet à ventre blanc. Mais également une population de vautours percnoptères, 15 espèces d'orchidées, des circaètes Jean Leblanc et des bondrées apivores. Le site de la Dendrez a par ailleurs été inscrit au programme Natura 2000, permettant ainsi l'entretien comme jadis du milieu naturel par le maintien d'activités agricoles. Alors sur ce secteur, vous trouvez également notre petit poteau de contemplation. Alors de quoi s'agit-il sur cet itinéraire? Notre aquarelle représente la Dendrez, vue à l'époque où les cultivateurs et les agriculteurs venaient y ramasser la lavande. Cela, ça remonte au 19e siècle. Au niveau du col des Rolles, nous ne sommes plus que 100 mètres sous le sommet. Alors là, ici, on arrive au niveau d'une ancienne bergerie qui a été rénovée par des propriétaires privés, qui peut vous accueillir le temps d'une petite pause repas, pourquoi pas. Il fait bon là-dedans. La bergerie offre un espace de fraîcheur et de détente aux randonneurs. On y trouve des informations, des photographies et quelques pensées philosophiques. Vous pourrez également laisser un mot sur le livre d'or. Je reprends ma route pour la dernière partie de cette ascension. Le site de la Dendrez a été occupé par des populations de chasseurs-cueilleurs dès 8000 ans avant Jésus-Christ. L'élevage et l'agriculture ont depuis fait reculer les espaces boisés au profit des landes et des pelouses. La végétation la plus dense reste quant à elle établie en dessous des falaises de calcaire urgonique. Ah, c'est la partie un petit peu plus tout terrain de l'itinéraire, on va dire. Faut un petit peu mettre les mains. Le temps de quelques mètres, le randonneur se sentira un peu grimpeur, jusqu'à finalement surgir sur le plateau sommital où l'attend un panorama immense et exceptionnel. À mes pieds, les espaces cultivés de Saint-Vincent, mon point de départ, ainsi que les forêts de chênes du plateau de la Houle sur lesquelles courent les ombres des nuages. Par beau temps, la vue porte jusqu'au sommet des Alpes. Alors vraiment forte, forte sensation en arrivant ici sur les landes sommitales de la Dendrez. J'ai vraiment l'impression de prendre un bain de nature. Là. Face à moi, je vois la France qui se met à onduler en long relief, comme agitée de grosses vagues minérales. C'est fantastique. Et ces vagues minérales, ce sont les contreforts des Cévennes qui commencent à se dérouler vers l'ouest. Au sommet, je croise également une curiosité. Les vestiges de la mire tripode de la Dendrez, fierté de l'Institut Géographique National, qu'on utilisait jadis pour la géodésie. Elle avait bravé la tempête de l'hiver 1999 pour finalement terminer sa carrière, vandalisée par la main de l'homme en novembre 2011. Aujourd'hui, une borne géodésique la remplace.
Il est temps de commencer ma descente vers les villages de Gogne et de Gras. Jadis ici se sont écrites les grandes heures de l'agropastoralisme. On y élevait des moutons, mais on y récoltait également une plante symbolique du sud de la France, la lavande. Bon, alors la lavande, c'est une activité éreintante, puisqu'on faisait ça en pleine chaleur, sous les falaises. Alors la lavande, c'est une activité éreintante, puisqu'on faisait ça en pleine chaleur, pendant la journée, courbé en deux, à couper avec une faucille. Il fallait mettre ça ensuite dans des sacs et les porter soit à dos d'homme, soit à dos de mulet, en direction de la distillerie. Alors c'était vraiment une activité épuisante. Derrière les murets en pierre et les terrasses, subsiste encore le souvenir de cette époque révolue. Aujourd'hui, c'est la vigne qui domine le paysage, avec la production du Côte-du-Rhône, un vin d'appellation d'origine contrôlée. Gras n'est maintenant plus très loin. Le temps de franchir la Nègue, et je fais mon entrée dans ce village de caractère aux allures médiévales, où vous aurez la possibilité de vous ravitailler en eau. C'est dans cet arrière-pays que se dessine déjà la fin de cette balade. Sous les falaises qui dessinent la bordure septentrionale du plateau de la Houle, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir quelques guépiers et même d'en oublier votre chemin. Bah alors vous fiez pas trop à l'échelle du topo, parce que quand on sort de Mas de Gras et qu'on regarde la carte qui est jointe au topo, on a l'impression qu'on est presque arrivé au point de départ. En fait, pas du tout, faut vraiment descendre, revenir, avoir l'impression de revenir sur ses pas en descendant le long de la route. Ça peut sembler un peu loin. On peut avoir le doute, mais ne l'ayez pas, vous êtes sur la bonne voie et vous trouverez un petit poteau balise sur une espèce de voie de détournement à gauche de la route avec un sentier très discret qui remonte dans le maquis. Et voilà, c'est ici que s'achève ce carnet de rando. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations pratiques concernant cet itinéraire sur le site internet www.davidgenesta.com à la rubrique carnet de rando. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne rando, bonne soirée et n'hésitez pas à laisser un petit mot sur la page Facebook. Merci à tous, à bientôt.